Ah, ça sent l'arnaque. Ah, elle est pourri gâtée, cette gamine. Elle a deux doudous. Ah, c'est lequel le vrai? C'est lequel le vrai? Ah, tu cherches pas, toi. C'est lequel le titulaire? C'est lequel le remplaçant? Elle choisit toujours le bon quand on lui propose. Tu m'en donnes un? Tu m'en donnes un? Voilà. Elle me rend le remplaçant, elle garde le titulaire. Ah mais c'est celui-là, tu t'es pas trompé. Non, non, c'est celui-là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre-le. Ouvre-le, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais t'aider, Mila. Je vais t'aider parce que c'est un peu compliqué pour toi à ouvrir. Oh! C'est des boucles d'oreilles, mais t'as pas encore les trous et un collier Hello Kitty! On va l'ouvrir en bas, mon amour. Bonjour à tous! Oui, bonjour à tous au lieu de Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, on va jouer à ça. T'as pas fini de ranger les cubes, Mila. Les cubes. D'abord les cubes et après la peinture, je dis. D'abord les cubes et après la peinture. Allez, tu ranges les cubes, Mila, s'il te plaît. Tu me donnes les pinceaux. Apprendre le rangement, oui. Je disais donc, Mila me demande pour faire de la peinture. Donc, on va faire de la peinture. Je sais, j'ai ma tête du matin qui est magnifique. Je vous éblouis de beauté, je sais, je sais. Alors, c'est parti mon kiki. Il est 15h, mon cou ça va pas beaucoup mieux qu'hier, donc j'ai encore mal à la tête, etc. Mais bon, voilà, faut faire avec, j'ai pas le choix. Mila elle est toujours en pyjama, mais en même temps aujourd'hui c'est dimanche, hein, donc bah on s'en fout, hein. On s'en fout. J'ai oublié hier d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, mes calendriers de l'Avent, oui, hier j'ai oublié d'ouvrir mes trois calendriers de l'Avent, donc on va les faire tout de suite. Aujourd'hui c'est x2, alors il y a mes bougies déjà. Elles sentent vraiment trop bon les bougies d'Uran, c'est un truc de malade. C'est toutes des odeurs différentes, c'est un truc de fou, elles sentent vraiment super bon. Je vais ouvrir celui-ci, le Party Light. Et elles sentent super bon aussi. Trop cool. Elle est verte. Et on va ouvrir celui-ci. Je vais l'ouvrir avec Mila, tiens. Mila, elle adore tout ce genre de truc. Donc je vais lui faire ouvrir. Allez là, la 3, c'est celle-ci. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Ouh, c'est quoi? Montre. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un baume à lèvres Berries. C'est Berries, c'est des murs, je pense, non? C'est des baies. C'est des baies. Un baume à lèvres Berries. Alors, celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, il y a un gros pot. Enfin, il y a un gros tube. Oh, qu'est-ce que c'est? Maman, elle va remettre tout de suite le carton parce que autrement, elle sait plus où ils vont. Donc j'ai bien suivi votre conseil, hein. Je les mets à l'envers parce que c'est censé faire une image ou un texte. Je ne savais pas. Donc merci de m'avoir donné l'info. Et là, donc dans le 4, j'ai eu une crème manucure main et ongles. Et c'est un super grand format. Donc c'est cool. C'est du baume. C'est pour réparer les lèvres. On va mettre sur maman. Regarde. Oh. Oh. Et on va en mettre sur Mila.
Sur les lèvres. Sur les lèvres. Là. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est comme ça. Après, on le referme. On le referme. Voilà. Super. Merci, Mila. Et maintenant, on va faire ça. Je l'avais commandé sur internet il y a, je sais pas, à l'anniversaire, en fait, juste avant l'anniversaire. Juste avant mon anniversaire. J'avais commandé sur internet et je m'étais dit à la période de Noël on le fera. En fait c'est un petit biscuit mais immense. Oui on va le faire. Il est gigantesque comme vous pouvez le voir. Donc c'est du biscuit. Et il faut le décorer, il y a tout à l'intérieur pour le décorer en fait. Et comme vous pouvez le remarquer, il y en a une qui est un petit peu impatiente. Je vous présente Petit Biscuit. Et moi aujourd'hui c'est pas pâtissier. On va essayer d'en faire nous-mêmes, on va essayer. Maman de... Oui, on va essayer d'en faire des petits. Des biscuits de Noël. Bon, on va faire des petits biscuits avec mes emporte-pièces petits biscuits, enfin qui ressemblent plus ou moins à un petit biscuit, hein. C'est quand même la forme générale du truc. Hein. Et maintenant au frigo. Il y a un lavage de chien en cours à la salle de bain. Je vais vous montrer ça. On attend que la pâte en fait soit. On doit la mettre dans le frigo tout simplement pendant une heure, voilà. Ah. Ouais, le chien on est obligé de le laver souvent. Son oreille. On le lave. Son oreille a bien dégonflé, il n'y a plus qu'un tout petit truc, maintenant il va falloir la remettre droite. Elle est quasiment redevenue plate, mais elle est encore un peu pliée. Il reste un petit truc dedans, un petit caillou. Enfin, un petit peu de sang dur, mais ça a bien diminué. Et donc, comme il a attrapé une maladie de peau, et ben, il faut régulièrement le laver. Heureusement, c'est pas contagieux, on ne peut pas l'attraper. En fait, il fait des allergies à pratiquement tout. Donc, en fait, il peut pas, par exemple, se coucher sur des plaids ou ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de matières synthétiques dedans et il fait des allergies. Donc, il faut du 100% coton, etc. pour monsieur.
que ça finit. Les petits biscuits sont trop beaux. Et il en a fait d'autres ici. Et il a même fait le M, le I, le L et le A pour Mila. Et voilà, ils sont enfournés. On les voit plus ceux du dessous, ils sont où? Oh ben on les voit plus. On voit plus ceux du dessous. Alors. Papa. Oui. La recette, je l'ai trouvée sur un blog. Donc, je décline toute responsabilité en cas de foirage de recette que ce soit pas bon. Pour l'instant, la pâte est bonne. Mais si les biscuits sont réussis et qu'ils ont bon goût, je citerai son blog. Si les biscuits sont loupés et qu'ils sont dégueulasses, je citerai aussi son blog. Qu'il est bête ce garçon, qu'il est bête. Bon, à part ça, on va se faire à manger aussi. Il est pas très tard là, il est quelque chose comme 17h. Mais j'ai faim. Ils sont tout beaux. Ils sont trop beaux. Bon, je leur ai pas fait de visage ni quoi que ce soit, mais ils sont plutôt pas mal, hein. Tu veux un petit biscuit? C'est des biscuits, mon cœur. Bon, bah, puisque c'est correct, les biscuits, c'est même plutôt bon. Je vais citer la personne. Enfin, c'est pas une personne, en fait, c'est journaldesfemmes.com. Cuisine.journaldesfemmes.com. Mais c'est carrément pas un blog, un petit blog, hein. C'est un gros site internet, ça. Ouais, je m'en fous, c'est le journal des femmes. J'ai trouvé ça, j'ai tapé, je sais plus ce que j'ai tapé dans Google, petit biscuit Noël ou un truc comme ça, je suis tombé sur cette recette-là. Ah, la joie des règles, les maux de tête, les maux de ventre, les boutons. C'est fantastique, j'adore. Bon, je vais déjà vous laisser maintenant, parce que demain, on a une journée, enfin, je vais pas vous dire, vous verrez. Mais on se lève tôt, en fait, demain, du coup... Je vais pas aller me coucher très très tard. Là, Alex est parti laver Mila. Et ensuite, on va tous aller au dodo tranquillement. Alors, je vous ai posté aujourd'hui une vidéo que vous aurez vue. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets ici. C'est la wishlist et aussi idée cadeau, enfin cadeau de Noël de Mila, etc. Qui a été hyper controversée, hein, forcément, je m'en doutais. Je vous ai montré beaucoup de cadeaux dans cette vidéo. Et je savais très bien à quoi m'attendre en postant cette vidéo. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça donnerait peut-être des idées aux gens qui n'avaient pas d'idées pour un enfant de 2 ou 3 ans. Parce que c'est des cadeaux pour les enfants de 2 ou 3 ans. Voire même un peu plus pour certains. Et forcément, j'ai eu droit à certains commentaires. Certains, même très très agressifs, qui me disaient... qui m'insultait même, hein, pour me dire que voilà, c'était honteux, autant de cadeaux pour un enfant et machin, et qu'il y en avait pour autant d'argent. Il y a même des gens qui ont été faire le calcul. Oui, 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 des gens qui ont été faire le calcul. Donc voilà, je le répète encore une fois, j'ai reçu des choses gratuitement, je n'ai pas tout acheté moi-même. Enfin, pour vous montrer un petit peu les jouets en vrai, ce qu'ils donnent, parce que c'est bien beau de les voir à la pub, à la télé, mais en vrai c'est jamais la même chose, donc voilà. Ceci étant dit, je m'en fous royalement de ce que disent ou pensent les gens, même si je suis quand même en train de revenir dessus parce que c'est revenu plusieurs fois. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, chacun éduque son enfant comme il l'entend. Moi je fais comme je veux, je fais ce que je veux avec l'argent que je gagne, je ne le vole pas, je le gagne, donc j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de gâter Mila, je gâte Mila. Je déteste ce mot gâter, mais bon voilà, c'est celui que vous employez, donc enfin que la plupart des gens en tout cas emploient. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, hein, à tout niveau. Donc si ma fille peut être heureuse, eh bien j'en suis bien contente. Je suis bien contente de pouvoir faire tout pour ça. Et je parle pas forcément de cadeaux ou de choses matérielles, mais voilà, moi je fais tout pour qu'elle soit contente et heureuse. Et je suis contente de pouvoir lui offrir ça pour Noël. Donc voilà. Ceci étant dit, eh bien moi je vous laisse. Merci à ceux qui nous suivent et qui aiment les vlogs. Et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas. Bisous!